docteur Gilson Paluku, qui est chargé de la vaccination de routine, docteur Georges Kizerbo et docteur Jean-Marie Améogo, représentants de l'OMS respectivement en Guinée et en Côte d'Ivoire, seront là pour répondre à vos questions en français. Donc, I would like to say bye-bye to our panelists, Dr. Moeti, Dr. Ngun Dimba, and Dr. Lama. And thank you very much for taking part in this press conference, in this media briefing. Et aux journalistes francophones, je vous dis à tout de suite pour la suite des questions en français. Thank you very much. Keep safe and bye-bye. See you next time. Si, à bientôt. À bientôt. Thank you. Bonjour et bienvenue, donc, comme il a été dit, à cette session de la partie de la conférence de presse entièrement en français. Nous avons beaucoup de questions, dont la plupart portent sur la pandémie de COVID-19, mais certaines aussi sur Ebola et Marburg. Comme il a été dit, avec nous pour répondre à vos questions, nous avons le docteur Gilson Paluku, qui est donc spécialiste de la vaccination au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique, ainsi que le représentant de l'OMS en Guinée, le docteur Georges Kizerbo, et le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, le docteur Jean-Marie Améogo. J'aimerais commencer avec vous, docteur Kizerbo, par une question de Souleymane Tierno de Guinée News. Voici la question. Quel est le niveau des enquêtes sur les fièvres Marburg et Ebola en Guinée? Y a-t-il des résultats des tests effectués dans le cadre de ces enquêtes? Et ensuite, dans un registre un peu différent, la fermeture de la frontière constatée entre la Côte d'Ivoire et la Guinée est-elle concertée ou s'agit-il d'une décision unilatérale? Docteur Kizerbo, à vous le micro. Merci beaucoup. Concernant les investigations en cours sur la fièvre virus Marburg, un seul cas a été confirmé. Il y a 173 contacts qui ont été recensés, qui sont sous surveillance. Et 5 de ces contacts sont considérés à risque important, mais ils sont tous sous contrôle et sous surveillance pendant 3 semaines, pendant la durée théorique d'incubation. Il n'y a pas eu de cas secondaire dans la zone de Gekedu. Une équipe OMS est projetée à ce niveau pour travailler avec la direction régionale de la santé, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, en particulier sur la veille sanitaire, la surveillance, le suivi des contacts, le travail au point d'entrée et l'engagement communautaire et la communication sur les risques. Nous apportons aussi un appui logistique pour les capacités de prise en charge et de prévention et contrôle des infections. Concernant le cas d'Ebola qui serait partie de l'AB, là aussi l'investigation se conduit conjointement avec les autorités sanitaires et l'OMS en Côte d'Ivoire. 49 contacts sur le trajet ont déjà été recensés et également dans les familles au point de départ à l'AB. Une investigation et une revue documentaire dans toutes les formations sanitaires de la région de l'AB, mais aussi de Nzérékoré est en cours. Les gares routières sont particulièrement ciblées et une vaccination préventive est à pied d'œuvre dès aujourd'hui avec l'équipe qui a été déployée hier. Concernant la troisième question sur les frontières, je pense que nous sommes dans un contexte où un certain nombre de frontières avaient été fermées suite aux états d'urgence décrétés dans certains pays. Mais comme vous le savez, il y a une mobilité aussi qui est informelle, qui se poursuit. Et donc, l'état de veille sanitaire va être le plus élevé possible avec ces deux urgences qui ont été gradées respectivement très, très haut risque pour l'Ebola et aussi haut risque national et régional pour Marburg. Merci beaucoup, docteur Kizerbo, pour ces clarifications, cette réponse très, très factuelle.
La prochaine question s'adresse au représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, Dr Jean-Marie Yaméogo. C'est une question de Soui Kaofi du média Ebony Today en Côte d'Ivoire. Je vous lis la question telle qu'elle nous est parvenue. Ma question porte sur ce que les Ivoiriens appellent en ce moment le chantage au vaccin. Il nous a été donné de constater que la somme de 50 000 francs CFA, soit près de 100 dollars, sont demandés aux personnes désirant obtenir le rappel de leur vaccin contre la COVID au moment où il y a une pénurie de vaccins. Le gouvernement ivoirien est-il informé de cette situation et le montant officiel est-il officiel? Je pense qu'il est nécessaire de clarifier. Ok, merci. Bonjour à tout le monde et merci pour nous donner l'opportunité d'intervenir. Je pense que cette question devait être posée aux autorités donc, du gouvernement. Donc, mais officiellement, nous, en tant que partenaire, on n'est pas informés de ce que vous venez de dire. Toutefois, c'est noté, je pense que les autorités techniques et au niveau de la gouvernance pourraient explorer davantage et mieux clarifier cet état de fait. Tout ce que nous savons et ce qui est recommandé et que nous avons vu sur le terrain, c'est que la vaccination est gratuite et elle est volontaire. Et nous avons vu sur le terrain un engouement, un grand engouement pour la demande de la vaccination. Et je pense que c'est ça qui anime. Et au niveau des systèmes des Nations Unies, nous avons ensemble également pu bénéficier des vaccins. Et à chaque fois, le vaccin nous est donné gratuitement et la population adhère de manière volontaire à la vaccination. Ce que je peux dire au nom de l'OMS et partenaires, c'est cela. Mais nous allons encore explorer davantage et voir avec le structure gouvernementale et clarifier également ce fait. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur. J'aimerais rester avec vous. Nous avons une question de Traoré Tidiane de la Radio Phoenix à Boaké. Sa question est un peu générale, mais je pense que vous pouvez répondre au niveau de la Côte d'Ivoire. L'Afrique a le plus faible taux de vaccination contre la COVID, et pourtant, par rapport aux autres continents, elle a aussi le plus faible taux de contamination et de décès. Est-ce que le volet environnemental n'est-il pas un frein naturel à la propagation de ce virus? Et pourquoi ne pas changer de stratégie en insistant plus sur les mesures barrières et moins sur les vaccins? Oui, c'est un débat qui est posé. C'est des questions qui deviennent le plus souvent. Pourquoi l'Afrique est-elle moins frappée, si on peut le dire ainsi, en termes de taux de contamination et même le taux de létalité? Et c'est constaté effectivement par nos données de routine. On parle aussi de, et ça c'est évident, on n'a pas de vaccin, il y a un très faible taux d'immunisation. Alors, tout ceci mis ensemble nous amène à faire beaucoup de recherches pour pouvoir explorer. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a des recherches qui sont initiées avec les instituts, donc également l'université Félix-Opède-Boigny. Et en termes de recherche sérologique, pour voir le niveau d'anticorps dans la population générale et dans les populations également ciblées. Et nous faisons aussi des recherches sur le plan et entre pro et au niveau des communautés. Ça aussi, c'est un protocole qui a été élaboré pour mieux comprendre les déterminants de toutes ces infections-là. Comment on arrive à s'infecter et est-ce que le port ou non, ou l'aspect ou non des mesures barrières contribue justement à limiter l'infection et comment se fait-il que nous n'avons pas assez de sujets infectés? Également au niveau du laboratoire, pour terminer, je sais que les recherches sérologiques et les anticorps sont également en cours au niveau de l'Institut Pasteur pour voir le taux d'anticorps chez les personnes non seulement vaccinées, mais aussi non vaccinées. Et tout cela, à terme, devait nous permettre de pouvoir expliquer un peu la tendance épidémiologique qui est assez particulière pour la région africaine et notamment pour la Côte d'Ivoire. Donc, ces conclusions seront bientôt mises à la disposition des uns et des autres, et nous pourrons encore enrichir ces hypothèses donc, de recherche. C'est pour vous dire que le travail se poursuit donc, au niveau de la Côte d'Ivoire pour clarifier justement cette faible animité, relative faible taux de contamination et vis-à-vis également de la vaccination qui où on n'a pas encore atteint un nombre adéquat. Voilà le commentaire que je peux dire là-dessus. Et c'est que le bureau journal Afro et également mon collègue Kizerbo pourrait également
donner des commentaires par rapport à cette question. Merci à vous. Merci beaucoup. Justement, j'allais me tourner vers le docteur Gilson Paluku, peut-être pour compléter votre réponse. J'en profite aussi pour poser la question de Edem Dadzi, qui est journaliste à Togo Matin, qui affirme en tout cas qu'il se pose aujourd'hui un problème d'efficacité des vaccins, au point que certains pays qui avaient connu un taux élevé de vaccination sont en train de passer à la troisième dose. Comment est-ce que vous expliquez cette situation, docteur Paluku? Oui, merci beaucoup. Hein. Merci pour la question qui est très pertinente. Peut-être pour compléter, monsieur le représentant de la Côte d'Ivoire, en plus de ce qu'il a dit, en attendant, nous conseillons de continuer à suivre les mesures barrières en attendant les résultats de toutes ces recherches et à se faire vacciner. Et donc, voilà un peu le seul commentaire que je peux faire. Alors, par rapport à la troisième dose, je crois que lors de la conférence qui vient d'être dite, il se pose deux questions, en fait, actuellement. Une question technique et une question éthique. La question technique, c'est que jusqu'à présent, les données à notre possession n'arrivent pas à déterminer le besoin de cette troisième dose, nous disons par rapport à maintenant, et à quel moment donner la troisième dose. Donc, il se pose là une question technique, mais en même temps une question éthique, parce qu'au moment, l'évaluation qui a été faite, ce que si tous les pays, les 11 pays les plus riches, donnent cette troisième dose, ils auront besoin d'environ 800 millions de doses de vaccins. Et si vous faites le calcul, c'est à peu près le nombre de doses, donc environ 800 millions de doses dont l'Afrique a besoin d'ici la fin de l'année pour vacciner 30% de la population, dont les plus vulnérables, c'est-à-dire les plus susceptibles à mourir, à savoir les personnes avec comorbidité, les personnes âgées et même les agents de santé. Par rapport aux agents de santé, peut-être je vais terminer par ce commentaire. Vous savez, lorsqu'ils sont atteints, il y a une interruption des services de santé, ils ne sont plus disponibles. Alors, il y a parfois, à cause de cette isolation ou isolement qui peut faire 14 jours, les personnes peuvent mourir parce que l'agent de santé qui est chargé de les soigner est en isolement à cause de la maladie, ou bien il peut avoir une cause indirecte, c'est-à-dire que ça peut être un pédiatre qui ne vient plus et certains enfants atteints d'une maladie peuvent mourir parce que le pédiatre a attrapé le coronavirus. Et vous savez, dans les milieux les plus reculés, parfois on a un seul médecin pour 100 000, 200 000 personnes. Donc voilà, ce que nous disons, c'est ça la raison éthique. Il faut absolument que les personnes vulnérables, les agents de santé, les personnes avec comorbidité et les personnes âgées soient d'abord vaccinées pour sauver les vies, et permettre à la société de se rouvrir avant de penser à donner cette troisième dose ou dose de rappel ou booster. À vous. Merci beaucoup, docteur. La prochaine question est sensiblement différente, mais concerne toujours la COVID et j'aimerais la poser au docteur Kizerbo. C'est une question de Gouan Moussa Kone de Radio Énergie FM à Danané, en Côte d'Ivoire, qui dit « Voici, l'Afrique de l'Ouest est sujette à plusieurs crises sanitaires en ce moment, dont la COVID-19. » Les écoles s'apprêtent à rouvrir. Est-ce qu'il n'est pas à craindre une vague de contamination dans les écoles? Et surtout, quelle stratégie de communication pourriez-vous conseiller aux radios locales pour sensibiliser les enseignants à se faire vacciner massivement? Docteur Kizerbo, peut-être? Oui, merci pour cette question qui est extrêmement importante. La communauté scolaire et de l'enseignement a été durement affecté à travers le monde, avec des centaines de millions
d'enfants et d'éducateurs qui ont subi l'impact, et aussi en termes d'absentéisme. Cela a amené à adopter des approches innovantes, en particulier toutes les approches de téléenseignement, de e-learning. Et donc, à l'approche de la rentrée, ces questions se reposent. Ce qu'il est recommandé, c'est qu'effectivement, la collectivité, la communauté scolaire et de l'enseignement prennent les mêmes mesures qui sont édictées par les autorités sanitaires, le gouvernement et l'OMS pour assurer que ce retour se fasse dans les conditions les plus sécurisées possibles. On a eu un test en grandeur nature avec les examens de fin d'année, le BEPC, le BAC, l'entrée en sixième, où on a vu, par exemple, en Guinée, qu'un dispositif rigoureux a permis de sécuriser ces examens là où des centaines de milliers d'écoliers, d'élèves et leurs encadreurs ont pu faire ces sessions. Donc, il y a une certaine expérience et une certaine capacité qui existe, mais il est important, comme vous dites, à travers tous les canaux de communication, en particulier les radios locales, les médias de proximité, les leaders communautaires, les influenceurs dans toutes les communautés, de passer ces messages-là et aussi de sensibiliser les familles afin que les enfants soient protégés dans leur apprentissage. Merci beaucoup, Dr Kizerbo. Dr Jean-Marie Yaméogo, est-ce que vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ce même sujet? Non, pas particulièrement. Je pense que Dr Kizerbo a couvert tous les éléments de la réponse. Merci. Merci beaucoup, docteur. Je reviens vers vous, docteur Paluku. C'est une question qui vient du site Science Dev, qui est posée par Béatrice Cazé du Cameroun. Il semble qu'au Cameroun, le ministre de la Santé a en juillet homologué des médicaments traditionnels comme traitement de la COVID, contre la COVID. Il semble qu'il y ait un débat sur l'efficacité de ces médicaments. Certains scientifiques contestant cette décision. Quel est votre avis sur les traitements traditionnels contre la COVID? Et merci beaucoup pour la question. Je pense que sur ces questions, il y a tout un processus qui doit être suivi pour approuver l'efficacité d'un produit quel qu'il soit. Il doit avoir certainement une phase préclinique suivie de la phase clinique globalement, qui a trois phases, évidemment avec un groupe témoin. Tous ces éléments doivent être réunis pour qu'on puisse conclure à l'efficacité, non seulement l'efficacité du produit, mais aussi si le produit est sûr de qualité, il ne peut pas avoir un impact négatif sur la santé, quels sont les effets secondaires. C'est toutes ces questions auxquelles on doit répondre, et les méthodes qui doivent être utilisées doivent être des méthodes scientifiquement admises par tout le monde. Maintenant, sur la question du Cameroun, je vous avoue que je n'ai pas suffisamment d'informations si toute la procédure a été suivie, quels ont été les résultats sur l'efficacité sur les effets secondaires de ce produit durant les phases cliniques, durant les phases précliniques, pour pouvoir me prononcer. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette situation. Merci beaucoup. Alors, la dernière question sera beaucoup plus centrée sur les vaccins. C'est une question de Eugénie Kadejiso-Tosu du web magazine Africel. Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent peuvent-elles recevoir le vaccin contre le coronavirus? Et aussi pour une personne qui a été testée positive au coronavirus, puis négative, combien de temps faut-il avant de pouvoir recevoir le vaccin? Ok, je veux commencer par quelque chose. Par rapport aux vaccins qui sont actuellement utilisés, pour ce qui concerne les femmes allaitantes, les recommandations actuelles, qu'on appelle les recommandations intermédiaires de l'OMS, recommandent donc d'utiliser les vaccins.
Par rapport aux femmes enceintes, il y a deux choses qu'il faut dire. La première, c'est que les observations ont montré que les femmes enceintes sont plus susceptibles, surtout au deuxième ou troisième trimestre, sont plus susceptibles à faire des formes sévères de coronavirus comparées aux femmes à l'âge de procréer non enceintes. Cependant, toutes les études actuelles sur les vaccins n'ont pas pris en compte, les femmes n'étaient pas dans les études, les femmes enceintes. Donc, on a des données très, très limitées sur les effets en termes d'efficacité, en termes de, comme je l'ai dit, d'effets secondaires sur les femmes enceintes. Cependant, comme le vaccin qu'on utilise n'est pas un vaccin vivant atténué qui se réplique, ce que l'OMS conseille, c'est que devant cette situation, si une femme enceinte est vraiment à risque de faire le COVID, c'est-à-dire que si c'est une personne qui travaille dans la santé ou qui a des comorbidités, on doit faire une évaluation entre le risque d'attraper la maladie et le risque du vaccin. Et lorsque le risque d'attraper les maladies est très important, prenons que c'est un agent de santé, en ce moment-là, il pourra être vacciné, mais elle doit être informée sur, d'une part, l'efficacité, les données limitées chez la femme enceinte sur l'efficacité, les effets sur la grossesse. C'est ce qui est recommandé, donc il faut absolument devoir ça au cas par cas. Et lorsque les risques de COVID priment sur les risques de prendre le vaccin, elle doit être vaccinée. Par rapport aux personnes qui ont fait la COVID, on peut dire globalement, dans un contexte limité de vaccins, les études ont montré que ces personnes étaient globalement, généralement protégées pendant au moins six mois. Les données par rapport aux données que nous, les évidences que nous avons jusqu'à aujourd'hui. Donc, la tendance est de recommander dans un contexte, je parle encore dans un contexte comme celui-ci où le vaccin est très, très limité, étant donné que chez eux, les données semblent montrer qu'ils sont protégés pendant six mois, alors il serait intéressant de donner d'abord les vaccins à ceux qui sont plus à risque et d'attendre six mois pour eux. Et donc, voilà ce qui est globalement recommandé. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Donc, Vous avez parfaitement répondu aux questions. Merci énormément, docteur Gilson Paluku. Je rappelle que vous êtes chargé de la vaccination systématique au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Nous avons fait le tour de nos questions, donc j'aimerais aussi remercier le représentant de l'OMS en Guinée, le docteur Georges Kizerbo, et le représentant de l'OMS en Côte d'Ivoire, le docteur Jean-Marie Yaméogo. Merci à tous les trois d'être restés un peu plus longtemps pour répondre aux questions des journalistes francophones. Merci aux journalistes et rendez-vous la semaine prochaine à la même heure.